Nana, cinq gosses. Un jour, je dirai quoi chez mes enfants? Que mon père, comment je vais expliquer ça? Que mon père, oh non, mais papa, on va aller voir là où on a enterré papy. C'est quoi, ça sera quoi ma réponse chez mes enfants? Donc si je fais la vidéo, si vous me voyez, parce que, bon, Atta, dans les médias, si vous n'avez pas le courage de le dire, parce que au moins, dans les médias, parce que Banana Bino, ils viennent ici, ils font du n'importe quoi, ils vont filmer, ils vont filmer, et puis, comme on sait que le Congo, c'est un propriétaire privé. Donc, ça, là, oh, bon, on va mais ça veut qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Nous avons il y a Bao et Balélaka Péza. Donc, là, nous avons Nabiso, Babola Péza. Donc, c'était mon message. N'a adressé, vraiment, ça me fait aujourd'hui mal. Très mal. Mon père, on peut dire, bon, il y a des familles. Batou Obaboma, ils étaient contre le pouvoir du pouvoir. Donc, pourquoi on le veut dans le mais pas jusqu'à tel point, Papa Nanga n'a pas servi le pays. Baboma et aujourd'hui, il est sans cimetière. Donc, cette vidéo, la vidéo Ténèbre, la Xabilamba, ou bien la Salanini. Et aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Je ne sais pas, peut-être. Na qui dit bah peut-être papa nanga banago bima na madame Antoinette Sassou après ezalasko yo makamba kanda donc na éviter ceux qui papa nanga azaki mbanda président parce que et ça la magamba de monsieur sous bakanga zoua pour na moi c'est un coup bon moi Telegram peu gol les capé ok bon Telegram petit on a bouma mère na père na parce que banago bima na madame na moi nanga yé. Mon père n'a pas connu le président de la République. Il n'était même pas à l'école avec le président de la République. Donc, on a été ceux qui rancunent à Nini, ou bien ceux qui vont à Zagimsi, comment on a papa. Et puis, le président n'était pas intelligent. Et puis, le papa, il a un exercice. Il y a un mot à Kangela et Kanda. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas. Et quand ça jusqu'à tête, à quel point. Okanga kane ningwana oyebi ko moto nazo chami beko ba boma il a une famille ce aujourd'hui mon père n'avait même pas de casier du ciel au pays jamais mon père bon ça arrive il passe comme il était intelligent à l'école à cause de ba nordiste sudiste mais je sais que l'âge mon père avait il devait même pas aller à l'école avec le président de la République donc on a évité kandani nyazala ki nango pourquoi a boma papa nangai. Bon, on sait que, bon, il y a toujours un média, deux fois moi, c'est un peu plus amiqué. Mais pas avec mon père. Donc, on a évité Kandawana, ils ont Kandawana. Kandawana, ils ont Kandawana. Mais moi qui te parle, même le Messie, Azaka, je peux aussi être le Messie. Naï, Nazoloba, mes paroles aussi peuvent frapper. Parce que nous avons tout le monde à gaieté. Nous avons le bagan à battre. Nous avons à cause de l'anzambé. Et aujourd'hui, ça te fait plaisir. Mais bakata mobali à boyer. Vous ne me connaissez pas. Moi aussi, je ne vous connais pas. Mais, nazala, na papa, zala martyr. Lélo, bisoto, comment vous là? Bino, bilélo, oyanga, et comment c'est mon abîme? Là, vraiment. J'insiste dessus pour vraiment au Congo n'engage jamais Nayaka que Nana Poussa ou bien Bouye. Mais moi, le vrai souhait que j'ai, c'est Nayaka côté Papa Nangaba Bomaï, côté cimetière à Papa Nangaï. Puisque vous n'allez pas me dire que de 99 jusqu'à 2016, il y a encore des gens en prison, ça n'existe pas. Même à temps, on est la paix, après ça a peine à 20 ans. Mais ces gens-là, ils ont été là-bas.
Hein? Et puis, tant que nous voyons, les gens lâchent encore en prison. Dans la prison, il y a qui belle. On voit les gens bêtes à l'Ibanda, battre dans la cage aux autres pour là. Hein? Prison, il y a beaucoup de bananes. Maison derrière 5 mètres carrés. Hein? Prison, il y a beaucoup de bananes. Maison derrière, Djambala, on peut comme ça, on comme ça, parce qu'il y a beaucoup de prison, il y a beaucoup. Mais bon, peut-être pour le bananes que non, comme aujourd'hui. Le premier fils est commis Oyo, peut-être vous tournez maison derrière le Moussous dans Oyo, et vous transférez à Oyo, voilà la bonne. Et moi je vous dis pour mon père, ce que le Nana, que vous tirez en moi dans la maison derrière le Moussous dans Oyo, vous foutez bien dans Oyo. Dans Oyo, vous allez, et puis au moins, à tant qu'on a le mot, petit, au fin qui, papa dans ça, mais petit, tu vois le prix, on va te taper. Comme vous avez l'habitude de regarder le film de guerre là, bonsoir Gabiso, va te dérouter à Capoto, et à deux fois on veut venir inverser. Bon, bête à Gabiso, le coup là-bas, comme des analphabètes que vous êtes, beaucoup de joueurs, comme vous êtes à le coup là, ceux qui n'y n'y. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, je veux savoir là où on a enterré mon père, si c'est dans le fleuve Congo, si, je ne sais même pas. Voilà. Vraiment, je vous en prie. Voilà. On dit message dans les Zalaki. Voilà. Un Congolais qui demande à savoir où est-ce qu'on a mis son père. Son père, Sassou, oui, disparu du pic. On terminait avec son père. Et ça continue, hein. Parce que Sassou est soutenu par l'Élysée. L'Élysée a la télécommande. L'Élysée change des chaînes. Comme elle veut. Toute l'Afrique va mal à cause de la télécommande que l'Élysée détient. L'Élysée fait des massacres en Afrique. Car tout le peuple africain, pour l'Élysée, sont des esclaves. La vérité doit être dite. L'Élysée a éperdument fait mal à toute notre Afrique. Mais l'Afrique vit des situations terribles. On se pose deux fois la question, pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il y a des moments où on se pose la question, pourquoi? Et l'Élysée, ils prennent plaisir, hein? Ils prennent plaisir de voir le peuple congolais dans une souffrance terrible. L'Élysée a toujours soutenu qu'on massacre les Congolais parce qu'ils se disent que eux, ils vaut plus que la vie des Congolais. Oui. Regardez comment ils ont fait du peuple congolais. C'est ça exactement comme nos arrière-grands-parents esclaves. Et c'est comme ça que l'Élysée voit le peuple africain. Pour eux, tout le monde sont des esclaves. Tous les Noirs, c'est des esclaves. Jusqu'au 20e siècle, l'Élysée nous considère, nous tous, pour des esclaves. L'Afrique n'a jamais eu ses 50 ans d'indépendance. Grandement faux. L'Afrique est sur la paume de la main de la France. Il faut que les Africains comprennent. Seul que la lutte qui libère, comme capitaine Thomas Sankara avait dit. Moi, j'ai un charisme de guerri. Et tout le temps, j'ai la colère en moi. Oui. Parce que on ne peut pas exterminer des millions, millions, millions de vies. Et la France est tout. Toute l'Europe, ils vivent bien. Ils vivent bien. Pendant ce temps, les Africains ont les massacres. Parce que l'Africain, il n'y a pas de considération. L'homme noir, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie pour l'Élysée. Il faut exterminer l'homme noir. Et ça continue. Nous allons maintenant passer sur quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y en a marre, hein. Il y en a marre et il y en a marre.